On savait que vous aviez menti en 2020 sur l'état de la ville. Vous aviez expliqué qu'il n'y aurait plus de paquebots, ils sont toujours là. Que vous vendriez le stade, il est toujours là. Que vous réquisitionnerez des logements, ils sont toujours là. Ils sont... Non, non, non. Que vous baisserez, n'augmenteriez jamais les impôts, vous les avez augmentés. Que vous créeriez de nouveaux équipements, sur la durée du mandat, s'il y a deux équipements nouveaux qui sont créés par l'équipe Urmic, c'est le maximum. Il n'y en a pas. Tous les équipements, que ce soit les crèches, les écoles, les équipements sportifs, c'est la précédente mandature qui les a décidés. Vous tenez là que pour inaugurer ce que nous avions lancé. Donc je reprécise, on savait que vous aviez menti en 2020. On sait maintenant que vous mentez en 2023 et tout le débat d'aujourd'hui nous le prouve, tant sur les impôts que sur les investissements. Et je veux simplement dire aux Bordelaises et aux Bordelais, attendez-vous à ce que Pierre Urmic vous mente en 2026, tout simplement.